Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, la vidéo des 100 000 abonnés, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent. Tout simplement dans cette vidéo, je vous avais promis que si j'avais 100 000 abonnés, je faisais une vidéo où tout simplement je vous mettais les danses Luigi du pass de combat de la saison 4 que j'ai fait il y a 3 ans les gars dans mon premier appart. C'est extrêmement cringe, ne prenez pas ça en compte. Et merci beaucoup pour les 100K les gars, ça fait juste extrêmement plaisir. Je vais pouvoir mettre le petit trophée dans ce décor, donc merci beaucoup. Derrière le décor, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, est-ce que vous aimez pas. On essaie de faire au mieux. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas les gars à lâcher un gros pouce bleu à 10 000 pouces bleus. Je vous ferai une grosse surprise en live. Et aux 150 000 abonnés, bah, il y aura peut-être une autre vidéo un peu gênante. Bref, beau visionnage. Ne soyez pas trop gênés. C'était Cocteau. Voilà. Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo, tout simplement. Je vais réaliser les danses de Fortnite de la saison 4. Seulement du pass de combat, je vais réaliser toutes les danses déguisées en Luigi. Juste pour ça, je vous demanderai un objectif de 100 pouces bleus, ça serait super, et je compte sur vous. Donc le principe, bah, ça va être de réaliser au mieux les danses déguisées bah, en Luigi, et puis je pense qu'on va bien rigoler. En tout cas, moi je vous souhaite un très bon visionnage à tout le monde. Et on commence tout de suite avec la danse pour moi la plus simple du jeu, qui s'appelle la danse Popcorn. Tout simplement, il y a du popcorn. Bon, j'en avais pas malheureusement, oui, j'ai pas été en acheter, je savais pas qu'elle allait avoir cette danse. Du coup, dans un bol, il fait comme ça, du coup je regarde l'image, il fait comme ça. Bon, assez facile, assez basique, rien de très drôle. Bon, ça tout le monde peut le faire. Juste à faire comme ça, voilà. Rien de très compliqué. Bon, on va passer tout de suite à une danse un peu plus compliquée, je pense. Et du coup, les petits potes, maintenant, on va passer à la danse impatient. Donc, tout simplement, elle est comme ça. Comme ça, hop là. Comme ça, tac tac. En fait, il fait deux petits pas comme ça. Et après, hop là, comme ça. Ça, c'est impatient, c'est un peu moyen comme danse, je trouve. Les gars, je sais pas pour vous, mais moi, les danses du poste de combat. Le L de loser, je l'aimais bien, vous voyez, regardez, comme ça, facile. Bon, là, quelque chose de plutôt simple. J'espère que les prochaines danses vont envoyer du fil à retordre. Du coup, les petits potes, là, maintenant, on va passer à la danse groovy. Donc, tout simplement, il fait comme ça. Oula, comme ça, ouais. Ouah, celle-là est hyper dure. D'accord, comme ça. Et après, comme ça. Derrière la jambe, et après, comme ça, tac, tac. Et après, hop. Voilà, comme ça. Comme ça, il fait comme ça, et après il fait hop là derrière la jambe. Comme ça, ouais voilà, on y arrive à peu près, et après il fait comme ça. Sans même regarder, je sais qu'il fait comme ça, tac. Voilà, donc ça, celle-là, à la limite, on y arrive pas trop mal. Mais je pense qu'il va encore mieux comme danse à faire. Mais bon, je pense que les autres vont encore nous réserver du très lourd. Du coup, comme un con, j'avais fait que les, en fait, les danses qui étaient dans le pass de combat qu'on a acheté. Mais je viens de voir qu'il y avait une danse qui n'était pas dans, enfin, qu'on a le pass de combat tout simplement gratuitement. Et elle s'appelle Respect. Donc la danse Respect, comment elle se fait? Alors, hop là, on la lance. Donc c'est comme ça, c'est un peu de la merde. C'est assez moyen, hein. C'est comme ça, je remets, je la relance. Ouais, c'est comme ça. Bon, c'est pas... Les gars, les danses sont pas très dures, moi je m'attendais à du level, je sais pas, moi je m'attendais à un truc. Genre, vous voyez, la danse comme ça, elle est pas mal, et juste comme ça, enfin... Alors, il y a peut-être deux dans les gratuites. Il y en a une autre que je n'avais pas vue, elle s'appelle... Bah les masques. Oh, elle est pas mal celle-là. Non, attends, c'est comme ça, attends. Oh les gars, celle-là elle est trop... Enfin, en gros tu fais des mouvements dans tous les sens comme ça. Hop là. Bon en gros il fait un truc comme ça les gars. Bon, en fait il n'y a pas vraiment de danse sur celle-là. Du coup voilà les petits potes, j'ai fait à peu près toutes les danses. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à me noter, c'était vraiment de la grosse de basse. N'hésitez pas à me dire si vous avez un épisode 2 sur simplement d'autres danses déguisées pareil. Ou un déguisement où vous voulez que je me mette, Mario, je sais pas quoi, bref. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube, et surtout, bah, lâche un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus, c'était Cocteau. Du coup, les potes, c'est la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de vous lâcher un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne YouTube, et surtout, les gars, de me suivre sur mon Instagram ou mon Twitter. Il y a beaucoup de trucs, surtout sur mon Insta, beaucoup de petits trucs un petit peu exclusifs. Bref, je suis cringifié, désolé. Merci encore pour les 100K, je suis trop content. Et puis moi, je vous dis à plus sur Twitch, c'était Cocteau. Ciao.